fan du coach Amonge qui est venu là avant en plein live, qui ne sait pas cuisiner. Bienvenue sur les stories de Lorenza La Plume, la chaîne YouTube qui vous donne des infos sur les grandes stars et les influenceurs en Afrique et par le monde entier et qui fait tout de même dans le divertissement. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes chez la coach Caviar, chez la coach Champagne. Je patrouillais comme d'habitude, question de venir vous faire le soco. Voilà, là, je tombe sur un live de coach Amonge qui est en train de se faire rincer, qui est en train de se faire éduquer, qui est en train de se faire. Donc, là, qui est en train de se faire conseiller. Oui, on conseille la coach qui est censée conseiller. Pas une fan, mais plumes. Ha 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 ha, c'était grave. Donc, la boîte a pris son téléphone, elle a mis sa connexion. Elle a lancé le numéro de la coach. Elle s'est fait passer pour la donneuse de leçons. Donc, alors, elle a dit non, le papa Kavia ne mange pas bien. Oh, là, pas comme ça qu'on fait la sauce. Ou c'est la sauce de quel pays? Ou c'est la sauce pour? Oh. Est-ce que je essaie au dessin des fans? Ma chérie, je sais cuisiner. Oh, qui t'a dit? Toi, tu es mariée. C'était devenu maintenant la fête d'être mariée ou pas non? La fille, alors, elle dit, elle n'est pas mariée. Ok, je vais t'apprendre alors comment garder un homme. Elle dit, ok, elle va alors t'apprendre aussi à cuisiner. De l'autre côté, maintenant, alors, nous. Coach lui dit que voilà, attendez, il faut qu'on aille pas à pas. Coach lui dit donc alors que elle ne sait pas cuisiner, mais elle a retenu son nom pendant 20 ans. La fille lui dit que mais coach, moi je sais cuisiner et si je ne suis pas, si je suis pas mariée, c'est parce que j'ai pas trop de chance et tout. Mais coach lui fait croire apparemment la fille que c'est parce que elle aussi elle n'est pas compétente, qu'elle réussit, qu'elle n'est pas mariée. Donc, alors, d'un côté, nous avons la femme mariée qui ne sait pas cuisiner et la femme célibataire qui cuisine très bien, mais elle n'est pas... Mais elle est célibataire. Mais de mon point de vue personnel, n'est-ce pas, Coach Amonge ne sait pas préparer. Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui. Elle a encore fait une vidéo de cuisine. Elle faisait la sauce tomate avec du riz. Elle inversait seulement les épices. Au lieu de griller la viande avant de mettre l'animal, pardon, comme elle aime bien dire. Au lieu de griller l'animal avant de mettre les épices, elle met d'abord la tomate, je veux dire, les épices. Elle met d'abord les tomates. Elle grille d'abord la tomate avant de se rendre compte que non, elle devait griller d'abord la viande, l'animal. Voilà, parce qu'elle aime bien dire. Oui, c'était chaud. Maintenant, alors, c'est où? Elle transverse maintenant la tomate. Elle dit que pardon, elle a oublié qu'il fallait d'abord griller l'animal. Elle transverse maintenant la tomate. Elle grille d'abord l'animal sans huile. Et puis, elle met maintenant les épices dans l'animal. Donc, alors, la sauce ne ressemblait à rien. Tout ce qu'elle a mis comme épices dedans, c'était le poivre blanc. En dehors de ça, elle a mis tomate, oignon, ail. C'était bon, c'était tout. Maman, elle était seulement là pour dire qu'elle a cuisiné la mamie MS. Oh, la mamie MS est montée. Oh, je vais, il y a beaucoup d'animaux dedans. Oh. Maman, hey, coach. Sinon, moi, je ne suis pas des béninois. J'ai été au Bénin, j'ai fait un an au Bénin. Je ne connais pas trop leur repas et tout. Mais sinon, quand le repas est bon, là, même à vue d'œil, ça attire, ça appétissant. Même la décoration, même la couleur, ça attire. Mais les repas de coach Amonge, franchement. Ça ne donne pas l'envie du tout, ma coach. Tu sais, dans la vie, on ne connaît pas tout, hein. On ne connaît pas tout. Donc, si la dame a pris son courage pour vouloir t'apprendre, il fallait te laisser apprendre. Oui. Parce que tu lui apprends tous les jours, elle t'écoute. Pourquoi ton tout, toi aussi, tu ne veux pas l'écouter? Non, c'est mutuel. Là, on est venu dans le monopole du savoir. Le savoir, là, non, coach. Comme tu connais, tu partages. Elle voulait aussi partager pour elle avec toi. Oui, beaucoup vont dire, oh, la femme est courageuse. Oh, pourquoi elle a dit, mais moi, elle dit, coach, je ne te connais pas préparé. Parce que même dans sa sauce tomate, elle a fait aujourd'hui avec le riz, là. Je me suis aussi dit, mais coach, tu n'as pas le cuiseur. On met le riz dans le cuiseur, non, coach. C'est compliqué. De nos jours, je ne pense pas qu'en Europe, je ne pense pas qu'en Europe, on boit encore le riz dans la babite. Oui. Au moins, on a un cuiseur. Et de sur quoi même, qu'est-ce qu'elle voulait même dire? Oui, qu'est-ce qu'elle voulait même dire? De ce quoi même il y avait. Donc, elle n'a pas mis d'épices sur la sauce. Elle mettait là. Les gens sont venus en commentaire. On a parlé. Oh, la coach. Oh, la sauce là, elle m'a étonné. Moi, j'ai une sauce, mais qui était. La sauce là, elle m'a étonné. Moi, vous avez vu comme moi. Donc, il faut que coach s'améliore. Mais je me dis qu'elle le fait exprès pour faire parler de sa cuisine, pour faire parler d'elle, pour avoir plus de visibilité, c'est tout. Parce que, franchement, elle-même, elle le sait. C'est pas quand même une enfant.
Elle sait très bien ce qu'elle fait et c'est vous qui tombez dans son panneau. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous éclaircir. Ok, mais puis je vous laisse visionner la vidéo de leur dispute en live. Donc, n'oubliez pas de liker, de laisser votre avis, en commenter, de vous abonner. Bye bye. Si le Togo et le Bénin, c'est les mêmes trucs qu'on fait souvent. Mais le boma que vous avez préparé aussi, c'était très mal fait. Mais pour le poisson seulement, là, ça, là, je voulais dire, vraiment, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si vous allez nous expliquer un peu pourquoi vous. Vous préparez mal comme ça, ou si vous faites ça express, je sais pas, si en tant qu'une femme africaine, ça me fait bizarre quoi. Sinon je vous aime bien, c'était pas pour vous embêter, c'était juste que je vois que vous préparez très mal et que vous avez besoin aussi de notre aide, qu'on doit aussi vous apprendre quelques cours de cuisine africaine. Surtout parce que sinon, je pense que papa Kavia vraiment. Mon poisson, j'ai fait hier, tu dis que c'était pas assaisonné là. Tu es venu goûter pour savoir oui. Que c'est assaisonné ou pas. Est-ce que tu as, est-ce que tu as goûté le poisson? Est-ce que le poisson, tu dis que je n'ai pas assaisonné non, le poisson que j'ai fait hier là? Est-ce que tu as goûté le poisson pour savoir si c'est salé ou pas? Oui, Marco, je sais que c'est. Que, je sais que ça va pas vous plaire ce que je dis. Dit, mais non, vous avez l'habitude d'assaisonner ces poissons. C'est pas ma chérie, c'est pas que ça va pas te plaire. Mais je suis en train, comme tu as parlé, je t'ai laissé parler. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que poisson, il est fait hier, mon poisson, qui a loco, il est fait hier. Poisson, tu as vu, tu dis, c'est pas assaisonné là. Est-ce que tu es venu goûter le poisson? Tu as goûté le poisson là pour savoir si c'est salé ou si c'est pas salé. Ou bien, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas goûté, mais. Marco, j'ai assaisonné poisson, c'est avec des épices, vous savez quand même, Marco, c'est non, je sais pas, comme poisson d'hier, là, vraiment. Comme tu es coach en cuisine, comme elle dit. Tourné aussi avec les fourchettes, là, je sais pas, c'était très mal fait et tout, quoi. Donc, je me suis dit, la coach peut nous permettre aussi quand même de lui donner quelques cours de cuisine, ça fera quand même du bien, parce que quand même, vous êtes notre coach. Mais s'il y a des trucs que vous savez pas faire, nous, on peut vous apprendre aussi, hein, comme vous nous avez... toujours appris à faire des bonnes choses, à se comporter bien avec nos chéris et tout ça, quand même, c'est rien, quoi. Je vais vous donner quelques coups. Tu fais quoi dans la vie, Marco? Qu'est-ce que vous en pensez, mon coach? J'ai dit, tu fais quoi dans la vie? C'est que j'en pense là, faut laisser ça. Mais tu fais quoi dans la vie? Hé, hey, Marco, je suis commerçante. Tu commerces dans quoi? Je suis commerçante. Vous voulez, si vous voulez, je peux venir en vidéo, hein, Marco. Ma chérie, si tu veux, tu peux venir prendre ma place, parce que où tu es arrivé là. Parce que j'ai déjà vu des personnes effrontées, mais alors là, tu as dépassé la dose. Tu fais quel commerce? C'est quel commerce tu fais, ma chérie? Marco, je vends les caméras surveillance. Je vends aussi les vêtements des enfants. Je fais plusieurs choses, Marco. Tu as tellement possédé que tu penses que quelqu'un en train de faire sa nourriture. Tu penses que la personne n'a pas assaisonné. C'est que tes caméras de surveillance que tu vends là, ça t'a tellement obsédé que tu es chez toi là-bas et puis tu es dans ma maison ici. Quand j'ai fait mon poisson, tu sais si j'ai assaisonné ou pas, ma chérie. Que bon moment j'ai fait, c'était pas bon. Bon moment que j'ai fait, ce n'était pas bon là. Le bon moment était comment? Le goma que vous avez fait, ma coach, le goma était très mal fait. Je suis une femme de l'image. Mais c'était mal fait là. Et je suis très bien fait. Comment on fait ça pour vous? On fait goma là comment? Ah, ma coach, le goma que vous avez fait là, déjà, vous n'avez pas préparé avec un peu de bicarbonate. La tomate que vous avez écrasée, c'était très mal fait. Vous avez mis de l'eau. Franchement, je me disais, est-ce que c'est une blague ou vous avez fait ça pour juste le buzz, parce que franchement, vous avez juste très mal préparé, mais à un point. Non, ma coach, c'était pas pour vous embêter. Mais quelqu'un a tenté de préparer sa nourriture. Quelqu'un a tenté de préparer sa nourriture pour nourrir sa famille. Toi, tu as venu, tu as dit oui, c'est fait. Donc, il a dépensé autant d'argent pour tes beaux yeux. Tu as déjà vu ça quelque part? Non, ma coach, en plus, vous appelez les poissons, les animaux, je sais pas. Vous, même si c'est fromage là, vous dites que c'est animaux. Ma coach, vous faites des choses à la cuisine, vraiment, nous on regarde, on vous aime. Mais ma coach, on vous aime, et moi de toute façon, je vous aime. Mais je dis que si j'ai une opportunité là, je vais aller apprendre à ma coach comment on fait la cuisine du Bénin et Togo pour que le papa Kavia puisse très bien manger. Ma coach, c'était pas pour vous embêter, mais vraiment là, les manger africains seulement là. Non, ma coach, vous préparez ça très mal. Quand il s'agit de Togo, non, mais c'est mon beau.
Vous comprenez, je ne peux pas quand même laisser papa caviar manger des trucs vraiment. Ça blesse. Mais ma coach, ce n'était pas pour vous embêter. Je vous dis, je peux vous apprendre. Si vous me permettez, oh là là, je vais vous apprendre des bonnes, c'est-à-dire des recettes de l'Afrique. Surtout. Tu es mariée? Non, ma coach, je n'ai pas eu la chance en amour. Non, mais je suis. Ah donc, parce que tu sais préparer là, tu n'as pas marié?